Go Arnaud. Alors, le numéro 5 nous est présenté par Hervé Larmaillé. C'est une fille, ah, une jeune et donc très intéressante. Cocorico, c'est Romain Deschamps, le seul éditeur de Deschamps dans le monde. Père Parmigo, ce cousin de César Palace, c'est avec un très très ami que c'est Cocorico, donc on attend avec la plus grande impression c'est le plus grand. Puisque l'année prochaine, voici sa première génération, 2 ans, Pachota, avec une mère par Chalmère, mais plus intéressant, une mère par Chalmère et Gloria, la petite Gloria, qui est. Bien sûr, parce qu'elle a marqué tous les études, on va pouvoir la faire marcher. Allez, on la fait marcher, c'est donc petite fille de la championne Gloria Kahn, invaincue en 12 courses lauréate du Prix de Crans à l'âge de 3 ans, face à ses aînés, elle a pulvérisé ses adversaires, qui est connu par Alain Badel, sous la casaque du Carmelier, dans un monde élite au bonnet. Gloria Kahn ne fut pas qu'une championne sur les pistes, elle a besoin de couler ce type de vidéo, mais une grande poulinière, puisqu'elle a donné naissance, notamment à notre père. Et je vais faire une blague à la fin. Mais qui est monté aux cieux en gagnant un gros pain dans le côté des pauvres, je sais. Qui a gagné un gros pain en gagnant le Gold Cup, l'équivalent de la Gold Cup de Cheltenham. La Gold Cup de Cheltenham, mais en plus de grand but de course obstacle en Irlande, celui de Patchy Sound. L'une de ses plus grandes victoires de groupe 1. Côté évidemment, ils étaient imposés au préalable dans les deux séries, ça a coûté 500 000 euros de gain. Je peux vous dire qu'à chaque année, 500 000 euros gagnés en avant, c'est un grand champion du milieu de l'éducation, nettement inférieur à celui de la France. Voici donc pour ce numéro 5, Pachoda, petite fille de Gloria 4 par Cocorico. Elle est née le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick. Elle a donc toute sa place sur les hippodromes irlandais. Je ne vous ai pas parlé de sa mère rotonde, deuxième du